Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il a été rempli de petits bons moments ou de grands bons moments, de merveilleux moments. J'espère vraiment qu'il vous a évadé, ressourcé, reposé et que ce midi vous avez bien lancé votre semaine et que tout va pour le mieux. Si c'est pas le cas, de toute façon, je suis là pour vous apporter un peu de réconfort et d'espoir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener au pays des rêves. Mais pas les rêves que l'on fait la nuit. Non, non, je parle de vos rêves d'enfant, vos rêves d'adolescent, d'adolescente. Quand vous vous projetiez dans l'avenir, vous vous rêviez comment? Vous rêviez avec quel travail, avec quelle fonction? Est-ce que vos rêves sont devenus réalité? Si l'adulte que vous êtes échangeait avec l'enfant que vous étiez, qu'est-ce qui ferait briller les yeux de cet enfant? Des réussites qui n'étaient pas prévues? Des rêves qui se sont transformés ou qui, au contraire, sont nés, se sont réalisés. Voilà, c'est important des fois, un petit retour en arrière, mais au sens positif du terme. Est-ce que vous êtes devenu parent? Est-ce que vous avez un métier qui vous transcende? Est-ce que vous aidez les autres, un bénévolat? Ou bien vos proches? Qu'est-ce qui fait que l'enfant que vous étiez serait fier de vous, de votre vous-même d'actuellement? Voilà. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Vous plonger dans vos souvenirs. Alors, je pense que là, du coup, vous devez bien avoir une idée en tête. Et le petit enfant qui est en vous doit peut-être être réconforté, être fier, être satisfait. Et si ce n'est pas le cas, pour une raison ou une autre, et ça arrive, vos rêves ne se sont pas déroulés comme prévu, ainsi va la vie. Quel rêve de votre enfance reste-t-il? Quel rêve avez-vous actuellement? Car c'est si important de rêver. Rêver, c'est être déjà heureux. Rien que d'y penser, rien que de l'imaginer, on est déjà un petit peu heureux. Et même beaucoup, on se projette. Ah, si j'étais. Ah, si je devenais. Mais après, se pose la question du comment. Comment puis-je faire pour que mon rêve devienne réalité? Alors, il sera peut-être pas aussi flamboyant que dans les rêves, votre avenir. Mais vous pouvez, d'une certaine manière, toucher vos rêves. Ça, c'est évident. Il y a toujours une part de rêve qui est possible. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire de rêver, de vous projeter soit dans le passé, pour vous dire que vos rêves se sont réalisés, ou dans l'avenir. Quel rêve aimeriez-vous atteindre? Et je vais vous laisser là-dessus pendant votre digestion, ou ce soir, ou au moment où vous regarderez cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous fera rêver. À demain. Au revoir.